monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce troisième épisode sur Wizard 101. Aujourd'hui, on se retrouve sur... on a presque fini le chemin de la licorne. Enfin, on l'a fini, maintenant il reste les missions secondaires, comme je vous avais expliqué. Et comme promis, je suis allée chercher ma monture. Donc ça m'a pris genre 2 secondes. Et j'ai eu la potion dans la mission qu'il nous a donnée. Et maintenant, il faut qu'on aille parler au sergent Mulder de la vieille ville. En fait, d'abord, on va faire les quêtes en plus. Enfin, tu auras un instant. Hop, ok. D'abord, on va faire les quêtes supplémentaires, les quêtes secondaires. Alors. Et après, on va parler aux gardes sans souci. Batte 3 squelettes. Hop. Ici, voilà. C'est parti. Alors, pour commencer, c'est lui qui commence. Alors déjà, on va l'amoindrir. Enfin, l'étourdir pour pouvoir mieux l'amoindrir. Ouais, non. Alors, oh, quelle horreur cette attaque. Hop, alors il est... On va prendre de la vie. Comme ça, c'est amplifié, c'est-à-dire que c'est plus fort. Hop, dégage! Dans tes dents. Niveau 5 uniquement. Sérieux. Vaincre squelette. Mais oui, je veux vous vaincre. Ouhou, voilà, c'est parti. Je vais le défoncer. Allez, fais un bon score. Nul. Ah non, bien, pardon. J'avais oublié, mais tu veux quoi toi? Tu veux quoi? Ah oui, il me faut un dernier squelette. Pirate. Non, tu m'as déjà demandé tout à l'heure. Alors... Je vais te défoncer. Donc c'est aléatoire. Qui est-ce qui commence entre l'ennemi et moi? C'est aléatoire. C'est comme un dé dans un ordinateur. C'est un peu pareil. C'est bizarre. Par là, Olivia, sur le soir. Alors, tu veux quoi? Encore nos dopales imparfaits. Boris au bâton. Il faut quitter l'allée. Alors, je ne la quitte pas. Je vais parler au garde sans souci. Pourtant, il en a. C'est totalement idiot. Non. Hop, nous allons voir le garde sans souci. Il est pas en face là, dans la maisonnette là, ou je sais pas quoi. Non, non. Oh, voilà, oh super, du brume-bois. C'est un ingrédient, donc c'est un bonus qu'on peut avoir en masse dans certains mondes. Donc là, il n'y en a pas beaucoup parce que je suis sur le serveur principal. Ah oui, il est là. Il est là-bas, le garde, pas de souci. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand il y a de la lumière aux fenêtres, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'on peut entrer. Bonjour, garde, sans souci. Il y a toujours quelque chose à prendre. L'autre jour, c'était la porte qu'il fallait prendre. Je sais plus, il y a...
Oui, il y a un garde souci aussi à prendre. Je suis heureux de retrouver ma vieille maison maintenant que j'en ai expulsé les squelettes pirates. C'est quoi le tableau là derrière? Derrière. Vain les squelettes pirates. Bon, si tu veux, t'es du même élément que moi. Alors, bon, ben, on repart, hein, pour les squelettes pirates, c'est reparti. Alors, ouais, il y a que 70% de chance. Celui-là, il est mieux. Non, flop! Malheureusement. Bon, on va utiliser l'attaque dégueu, hein. Oh, c'est horrible. On dirait qu'il remue son ventre avant de... Oh. Merde. En fait, c'est à force de voir ça à longueur de temps que c'est assez horrible. Alors, bien envie d'essayer celui-là. Oh. Ouais. Ah non. Oui, il s'est pris une décharge électrique. Voilà. Encore level 5? Oh! Il faut que je manque encore des squelettes pirates. Allez, 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 allez! Alors, quand on ne sort pas du rond et qu'on était non visible, eh ben, on n'est pas dans le combat. Donc, on peut marcher dans le rond. C'est ça qui est un peu bizarre. Et pourquoi tu fais à l'inverse de moi? Viens avec moi! Il est tout au milieu. Sale bug. Mais dès qu'on ressort et dès qu'on re-rentre dans le combat, bah, on est dans le combat. Enfin, dans l'arène. Et un dernier squelette pirate. Hop, toi je te prends. Mais. Voilà. Oh non, celle-là, je préfère. Décharge. Oh non, non, pas les attaques dégueu. C'est un nectar sanguin, ça en fait. Pourquoi sanguin? Je sais pas s'il a du sang. Alors, je vais te défoncer. Ouais. Bon, je fais une ellipse. Oh! Putain! Ok. Eh bien, re tout le monde, désolé de cette absence. Alors, nous devons parler maintenant aux gardes sans souci. Youp. C'est bon. Merci d'avoir dégagé le passage, Cornelius. Je devrais pouvoir rentrer sans risque. Merci d'être passé, dit aux gardes si on veut bien. Bon, encore un truc de réussi. Alors, regardons nos quêtes. Ah oui, bah voilà, on parle au garde Siminon. Ça, je le ferai plus tard. Donc maintenant, Siminon, puis au quartier populaire. Puis, Sergent Mulder, quartier populaire. Ouais, c'est pareil. Disons ça comme ça. Ah oui, c'est vrai. À l'allée de la licorne.
Pas mal les coffres trésors. Du coup, on a 11 pièces. À chaque fois qu'on a fait ça, du coup, ça nous a rapporté 203. Oh, c'est pas mal, 203. Ah ouais, 203, c'est pas mal. On n'a pas de quoi s'acheter quelque chose, hein. Non, absolument pas. Parce que je crois qu'un chapeau, ça coûte minimum 500. Ouais, c'est cher. Alors. Hop. Je suis content de savoir que le garde s'en suit, c'est pas bien. Pour prendre des nouvelles de quelqu'un pour moi encore. Dorothy. Dorothy Gall. C'est quoi ça? Oh, une tenue blazer, hein, équipée. Oh, ça va, je suis plus beau là. Est-ce que j'ai atteint... Ah oui, enfin le niveau 5, du coup. Capuche fourrée. Ben, c'est mieux ça. Oh, c'est horrible. Mes bottes. Givré, hop. C'est la même chose. Bottes grossières. Ah oui, sauf que ça c'est moche. Bottes d'explorateur. Non, c'est moins bien ça. Non, pardon, je prends ça. Voilà. Comme ça. Et on est parti. De Rotigal. Encore. C'est pas moi qui bug. Si vous voyez des gens accroupis, c'est leur ordi. Parce que une fois j'ai testé, j'étais avec un de mes amis et tout d'un coup je mets comme ça, je lui fais pourquoi t'es accroupi? Il fait oui, c'est mon ordinateur qui bug, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas moi. Moi, mon ordinateur il va très très bien. Dorotigal. Il y a toujours quelque chose à prendre d'habitude, ça m'étonne. J'ai rien à prendre quand même. Ah ouais, on peut plus monter. Avant on pouvait monter mais il n'y avait rien. Ça faisait genre comme un balcon. Hop, 5 points d'expérience, c'est tout. Vas-y donc. Rends-toi à les amis de Dorothy. Ils veulent faire un barbecue ou quoi là? Je sais pas, il veut l'être 150 000. Ils sont où les amis? Je suis sûre qu'ils vont être là. Ouais, en face, ils sont en face. Hop. Un homme de fer blanc. Mister Toto. C'est pas mal comme on dirait. Au revoir, par Dorothy Gale. Dorothy Gale. Hop, nous voilà. Sont en retard, ce n'est que ça au moins. Ils vont bien. Quel soulagement. T'as eu peur. Qu'une méchante sorcière. Ça me plaît. Donc. Parle au garde Siminon. Et après, on va parler au sergent Mulder. On aura enfin fini une allée. Ça a 100 pas d'ici. Pourtant, c'est tout près. Ouais, je sais pas combien c'est compté, mais. Hop, 19, 8, hop. Je suis contente de savoir que Dorothy va bien. Alors, est-ce que c'est mieux? Non, c'est moins bien. Sergent Mulder, vieille ville. Il est vraiment au quartier populaire, l'autre, parce que sinon, c'est plus facile. Je sais plus où il est. Il n'est pas à la bibliothèque. En fait, la bibliothèque, c'est là où on peut vraiment. C'est un magasin, mais de cartes au trésor, en fait. Oh non, il va encore nous donner d'autres missions bizarres, là. Non, j'aime pas. Alors, on va se concentrer sur la mission principale. Pardon. Hop.
Lui aussi, il veut quelque chose. Bon. Traverser les forgerons. Oui. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi des, c'est des petits bonhommes, en fait. Il faut les trouver. Il y en a un dans chaque quartier. Alors là, il y a le quartier populaire. Un dans, par exemple, la tour de Golem. Un à Corbois, etc. Il y a toujours les flèches ? Non, c'est bon. J'ai eu peur. C'est quoi son machin ? C'est une monture, ça ? Ouais, j'avais jamais vu. C'est un ressort ambulant, en fait. C'est pas mal. Ouais, c'est surtout très très bizarre. Lui, sa mission... Attends, non. Je sais plus si c'est de qui, mais il y a une démission. Même au niveau 74, j'y arrive pas. C'est super dur. L'obscurité s'est abattue. Ah oui, le boulevard du Cyclope, il est fermé. Donc l'avenue Triton aussi. 15 XP. Tu as fait des merveilles au chemin des licornes. Si nous laissons les morts vivants prendre le contrôle de la vieille ville, toutes les autres rues seront isolées et condamnées. Vain Lady sombre espoir. Ah bah oui. Tu veux quoi, toi? Garde Cardo. Harold de Laurent, plus tard. Ah oui, Lady sombre espoir, elle est au chemin de la licorne. Hop. Nous y allons. On va parler aux deux gars là qui veulent en même temps à la bibliothèque. Harold de Laurent, c'est le bibliothécaire. Oui, bon, bah ils sont là. Hop, tu veux quoi? Tu me rapportes des livres que quelqu'un a abandonnés. Merci. Ah oui, propriété Sabrina Vertetour. Non, plus tard. Et lui, il veut quoi? Oui, je crois qu'il veut qu'on retrouve des sortes de livres ou des machins. Enfin, c'est des... Sombre espoir. Hop. Par la mère Lambroise. Bon, on va aller lui parler. Et après, on fait vraiment la mission. J'espère qu'elle se finit là, parce que... Enfin, là... des ingrédients. On va passer par derrière. Ah, on peut pas. J'avais oublié. Donc ne vous inquiétez pas si je les récupère pas, c'est normal hein, parce que ça se récupère automatiquement. Donc quelqu'un inconnu a laissé tomber ce livre sur le chemin de la licorne. Le directeur utilise sa baguette clé de Chamfort autour du livre. Par Bartoli. Oh non, blavé, c'est l'œuvre de Malister. Encore ? Il manque. On l'a dit, sombre espoir. Donc, on va aller parler à Sabrina Verte Étoile. C'est au champ de foire. Donc c'est, mais c'est un quartier du quartier populaire. Ouh. Oh oui, elle aussi, sa mission elle est trop longue. Sa quête. Trop longue. Alors, voilà, c'est là, Sabrina Verte Étoile. Oh, mince! Un livre sur un banc. Est-ce que j'ai besoin de documentation pour ces travaux pratiques? J'espère que ça va pas durer 10 000 ans comme ça, parce que... Hein, c'est bon. Oh, mince. Laisse tomber mon livre sur la banque. Quel livre? Écarquille ses yeux quand tu le lis. Ah oui, quand tu as mes notes sur mon TP, travaux pratiques. Encore. Si toi tu arrives à me les récupérer, je peux finir en temps. Non, bah plus tard. Hein. Elle est trop longue cette mission. Et puis son brush bra. C'est là qu'on apprend à jardiner, etc. Voilà. Donc,
Hop, nous allons vers l'édition Brassbrown en traversant le pont de l'arc-en-ciel. Ce serait bien en fait si il nous disait à quel endroit on passait, mais sans qu'il y ait la page là qui s'ouvre et qui se ferme là, qu'on passait directement. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Alors, tu vas où la flèche? Des fois, tu vas dans un côté, la flèche, elle va dans l'autre, etc. Du coup, c'est galère. Oui. C'est là. Et malheureusement, les amis, on va se laisser là parce que la vidéo dure déjà 20 minutes, donc c'est assez long. Pour plus de suspense, vous me retrouverez la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez aimé, et à bientôt!